Salut à tous, ici Mister Freeze. Donc là, un bon vieux oldies, enfin oldies entre parenthèses, c'est pas vraiment du très vieux. C'est du très vieux pour une console portable, on va dire, puisque c'est un jeu de Game Boy Color. Alors, je vous entends crier d'ici, Game Boy Color c'est de la merde, etc. Mais fermez vos putains de gueules là. Enfin, sérieux? Ceux qui disent ça, cassez-vous. Je sais que je suis mal poli là, mais un jeu comme ça, voilà quoi. Donc ouais, donc ça c'est un jeu que je tiens à cœur, hein, vous avez compris. Désolé pour la vulgarité. Mais je pouvais pas me retenir parce que c'est quand même un jeu que j'ai fait, on va dire, 20-30 fois. Hein. Oui, ça peut paraître excessif, mais je l'ai depuis que j'ai 10 ans et j'ai rejoué ouais, 20-30 fois. Donc là j'y joue sur l'émulateur, bien que j'ai la cartouche, parce que déjà filmé de Game Boy Color, bonne chance. Et puis c'est pas du tout pratique quoi. Donc je peux pas mettre de minuscules parce que avec l'émulateur ça fait bloquer l'émulateur, ça fait un freeze. Mister Freeze. Donc pour ceux qui connaissent pas Zelda, si vous sortez de votre grotte, des Yeti par exemple. Donc ouais, Zelda c'est une des premières licences de Nintendo, hein. Je sais que je parle dans le vent parce que tout le monde le sait déjà. Donc je sais pas si c'est Mario ou Zelda, le premier sorti, enfin peu importe, vous allez voir le principe. Donc voilà, on se crée une partie, vitesse rapide. Donc je vais faire ce jeu et son frère qui est Oracle of Ages, celui-là c'est Oracle of Seasons. Et vous allez voir qu'ils vont ensemble puisque il y a un lien entre les deux. Donc l'histoire pas compliquée. On va dans un château, Triforce, hop, on est téléporté là, on sait rien. Cherchez pas à comprendre. De toute façon c'est pas l'histoire le plus important. À part ceux qui ont déjà joué ou ça peut vous paraître ultra éclairé comme truc. Mais en fait c'est normal. Alors pourquoi ça peut vous paraître ultra éclairé? Bah un Game Boy Color déjà il n'y a pas d'éclairage donc tout de suite ça fait une grande différence. D'ailleurs moi j'y joue là en ce moment sur Game Boy Color, le Game Boy Color de Nogan Fogger. Hein. Alors vous allez voir que ce jeu c'est vraiment un must de la Game Boy Color quoi. Mais à tous les niveaux hein. Que ça soit graphiquement bon, ça a pas l'air super beau comme ça mais vous allez voir c'est il compense par une richesse en couleur quoi. Bon le gameplay c'est vraiment énorme quoi, y a pas d'autre mot. Bon, l'histoire je l'ai dit c'est pas le point fort et les musiques sont vraiment sympas quoi. Pour vous montrer un exemple. Ah merde. Bon ça c'est le bruit, c'est parce qu'on peut pas encore mettre le menu. Donc là ça c'est une espèce de. Enfin on va pas appeler ça une cinématique, une image quoi. On en verra plus hein, sauf la fin du jeu. Donc là voilà, départ de base d'un jeu, tout le monde est content, ouais ouais super. Donc vous avez compris qu'il va arriver un gros bordel dans pas longtemps. Voilà, c'est de ça que je veux parler. Donc le jeu, je le connais absolument par cœur. Hein. Vous allez voir, il est ultra riche. Vous allez découvrir petit à petit, je vous expliquerai. Je vais raconter une connerie là, je vais me taire. Non, quand j'ai vu la tornade, ça me fait penser à un Milkshake. Si je dis à chaque fois que ça me fait penser à de la bouffe, hein. Oula. C'est exprès le flash là quand je passe le. Ouh. Je sais pas si vous le voyez, moi ça me fait une espèce de flash quand je passe le diamant. Ouais, ça le fait plus, ça va.
Donc vous avez compris, Onox, général des ténèbres, qui capture l'oracle des saisons de Dean. Donc voilà, qu'est-ce que ça va faire comme conséquence? Ben, il n'y a plus de saison. Enfin, il y en a, mais elles sont en désordre, quoi. Donc voilà le temple des saisons. Donc si vous comprenez rien, c'est, vous inquiétez pas, c'est ultra simple. Et petit à petit, vous comprendrez. Hein. Et vous dites pas à Game Boy Color égale de la merde, parce que vous allez voir que je vais vous convaincre du contraire. Hein. Alors ce qui est marrant dans ce Zelda, c'est que justement Zelda on la voit pas. Enfin, on la voit mais en mode Link. Donc mode Link, je vais vous dire ce que c'est bientôt. Hein. Vous allez voir, ça c'est l'intro, c'est chiant, mais après ça démarre direct. Hein. Là, c'est pas beaucoup de dialogue inutile, hein, surtout de l'action. Voilà, alors, je vous explique maintenant ce que c'est le mode Link. Alors, je vous l'ai dit, il y a Oracle of Ages et Oracle of Seasons, qui sont, si vous voulez, dès qu'on en termine un, on a un code qu'on peut rentrer dans l'autre, et ça fait que ça continue l'histoire. Donc ça change des passages, il y a des nouveaux trucs. Par exemple, là, si je finis Seasons et que je prends le code à la fin et que je le mets en commençant Ages, ce que je vais faire d'ailleurs, et bien il y aura certaines scènes qui vont changer et j'aurai un donjon bonus. Et justement, dans le mode Link, c'est-à-dire une fois qu'on a fini un des deux jeux et qu'on a mis un code dedans, dans l'autre, ben, dans le mode Link, on la voit Zelda. Bon. Et justement, mode Link, ça change quelques trucs. Par exemple, Onox, vous avez vu au début, voilà, il capture Zelda. Excusez-moi, j'ai légèrement baissé le son parce que... Ouais. Ouais, parce qu'en ce moment, j'ai des enceintes à la con de Nogan Fugger. Enfin, merci à lui quand même de me l'avoir prêté. Hein. Ouais, parce que voilà, mes enceintes m'ont lâché. Enfin, je vais pas raconter ma vie non plus. Bon, oui, alors je disais, Onox, si on vient de Ages en rentrant le code dans Seasons, au lieu de dire fais place gamin, il dit c'est toi qui as tué Véran, machin, hop, mais il nous fait gicler quand même. Donc Véran, c'est le boss final de Ages. Enfin, c'est comme Onox, mais dans Ages, quoi. Donc là, vous dites c'est quoi ces écrans là? Alors je vous explique, ça c'est les écrans des objets. Donc là, on a rien, c'est normal, on commence. Enfin, le premier c'était l'écran des objets à utiliser, c'est des objets clés. Et ça, bah, c'est les essences. En fait, il y a 8 donjons dans le jeu, il faut faire les 8 bien sûr. On obtient 8 essences et c'est une fois qu'on a les 8 qu'on peut aller voir Onox pour l'exploser quoi. Donc déjà je vous dis, il y a déjà pas mal d'objets, vous voyez. Comptez 4 fois. Voilà, 16 objets. Dont certains qui ont des améliorations. Alors là, le but de cette caverne, c'est tout simplement de récupérer l'épée qu'il y a dedans pour pouvoir aller voir l'arbre Bojo. Je sais pas si vous avez suivi le dialogue de la nurse de Zelda tout à l'heure qui nous dit d'aller le voir. Parce que c'est lui qui va nous donner les conseils tout au long du jeu. Voilà. Mais pour rentrer chez lui, il faut une épée qu'on obtient ici. Alors j'aurais pu vous montrer d'abord qu'il faut l'épée, etc. Mais bon. On va pas perdre de temps. Hein. Donc vous allez voir, ça, plus on avance, mieux c'est quoi. Donc bien sûr... Bon là, je commence déjà à faire le con. Bien sûr, c'est pas au niveau de, bon, des Zelda de 64. Mais... franchement, pour un jeu Game Boy Color de cette époque, parce que c'est quand même une des premières consoles portables, quoi.
Ben, je vous le dis, ça sera un must. Hein. Mais vous ferez votre propre avis. Hein. Donc là, vous avez compris le principe, on obtient des clés, on ouvre des trucs. Pour l'instant, rien de formidable. Après, avec tous les objets qu'on aura, ça va faire un gameplay du tonnerre, quoi. Et là, la fameuse musique. Voilà. Et on obtient notre premier objet, l'épée. Qu'on peut maintenir en français pour faire une tornade, voilà. Donc ça, c'est des ennemis cultes. Enfin, cultes. Connus, on va dire, des Zelda, les Octorok. En tout cas, au moins de tous les Zelda qui sont sur console portable. Parce que j'ai pas beaucoup joué à des... Enfin, j'ai joué aux Zelda 64, j'ai pas joué à GameCube, Wii, etc. Donc là, voilà, ça c'est fait. Alors, bon, on va aller voir le... L'arbre Bojo. Vous êtes peut-être perdu, hein. Mais je sais que je l'explique mal et vite. Mais vous allez voir que... Je l'ai déjà dit, mais vous allez voir, vous repérez tout seul au bout d'un moment. Donc là, si vous avez pas tilté tout à l'heure, voilà, j'ai sauté par là pour tomber dans le tunnel. Donc là, oui, je disais, les saisons sont en désordre. Et en fait, il y a, bon, les saisons, c'est comme chez nous, hein, il y a 4 saisons. Et elles se changent toutes seules parce que, pour l'instant, on peut pas changer les saisons, mais après on pourra. Donc là, vous voyez, c'est l'été, par exemple. On peut voir les saisons ici. Voilà, les saisons et l'été. Donc les saisons, c'est pas juste pour changer le décor, hein, ça change beaucoup de choses. Exemple, en hiver, les lacs ils sont gelés et on peut marcher dessus, quoi. Donc ça change pas mal de trucs. Donc là, on est au village de Oron. Je me trompe pas. Donc je crois que c'est Labrina, le village de Edwige. Donc ça, c'est un petit truc qu'on peut faire. J'ai jamais su trop à quoi ça servait, mais... Bon, on s'en fout, hein. Au pif, Paul. Je vous ai dit, je peux pas faire les minuscules, sinon ça bloque l'émulateur. Hein. Voilà. Paul. Non, non. Je laisse pas te faire chier. Voilà, et au fur et à mesure qu'on revient, il grandit, le garçon, etc. Apparemment, ça sert à rien. Donc, il y a ça. Alors, il y a les objets. En plus, alors, ce qui fait aussi le fort de Zelda, c'est les anneaux. Qui sont ultra importants, vous allez voir ça. Donc ça, je passe tout, je vous expliquerai moi-même. Après, il nous donne une boîte à anneaux pour mettre des anneaux. Hein. Voilà, et un anneau. Ça, c'est juste un anneau d'exemple pour nous montrer ce qu'il faut faire. Alors, les anneaux, on les trouve partout, dans des coffres, dans les passages secrets, etc. Et ils servent à faire plein de trucs. Il y en a qui servent à que dalle, comme celui-là. Celui-là, c'est juste pour montrer que lui et moi, on s'est rencontrés. Hein. Voilà, et tous nos anneaux sont répertoriés dans cette liste, donc on est obligé de venir là pour les changer. Et il y a en tout 64 anneaux. Voilà. Donc, je vous dis, ça fait un bon paquet. Donc il y a les anneaux, il y a les graines aussi. Alors ça, c'est un arbre à graines, vous verrez ça beaucoup plus tard. Enfin non, pas beaucoup plus tard, au premier donjon, on va voir les graines, mais... Faut pas mal de temps pour voir tous les. Ben voilà, vous avez compris toutes les graines différentes. Donc là, c'est pour aller voir l'arbre Bojo, mais on va continuer explorer un peu le village. Donc vous voyez là un quart de cœur, pas devant moi, hein. Enfin, vous avez compris. Donc quand on en réunit 4, ça nous fait un nouveau cœur à notre barre de vie en haut à droite. On voit l'argent juste en dessous. Alors ça, il y a différentes maisons, ils veulent tous des trucs. Voilà, il veut un oiseau de bois, lui, pour faire une horloge. Un coucou.
Et en fait, dans tout le jeu, hein, sur toute la carte que je vous montre, voilà. Dans tout le jeu, ouais, y a plein de gens qui veulent des trucs et en fait, faut faire des échanges jusqu'à obtenir la deuxième épée en fait. Vous voyez, épée L1, level 1, niveau 1. Bon, ça, c'est encore un truc qui enrichit le gameplay. Et ça commence à faire beaucoup hein, déjà. Hein. Bon, je vous passe parce que c'est pas important et j'ai pas beaucoup de temps pour la vidéo, voilà. Donc là, en fait, je vous explique le principe, il nous donne une graine gacha. Donc les graines gacha, c'est pareil, on en trouve partout, hein, c'est dans des coffres, etc. Voilà les graines gacha à nous. Et ces graines, on peut les planter dans les terres fertiles. Par exemple, il y en a une ici, donc tous les trucs comme ça, on peut planter des graines dedans. Et quand on reviendra plus tard, il y aura un arbre avec un fruit, une noix gacha. Et dans ces noix, on trouve des quarts de cœur, des anneaux, de l'argent, des potions. Donc les potions, ça sert à ressusciter avec toute notre vie quand on meurt. Donc là, vous voyez un exemple de saison. Là, on est au printemps, et au printemps, ça fait fleurir des fleurs, comme ça, qui peuvent nous propulser. Donc là, bon, ça sert à rien, à part amuser le gamin. Mais vous verrez, ça sert à avancer, etc. Donc chaque saison a ses avantages. Ouais, voilà, ça fait fleurir des fleurs aussi, le printemps, si je me trompe pas. Des fleurs qui sont en roc et qui normalement nous bloquent le passage. Et au fil du jeu, on aura petit à petit de nouvelles saisons. Bon, ben, je vais vous laisser là. Vous arrêtez pas là parce qu'on n'a encore rien vu. Et si vous n'avez pas compris, encore une fois, bah, vous verrez petit à petit comment on utilise tout ce dont je vous ai parlé. Donc voilà, prochaine vidéo, on voit l'arbre Bojo, on commence notre quête et ça va être beaucoup mieux. Donc là, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas enregistré, j'ai un peu perdu la main, hein, donc je m'en excuse. Donc prochaine vidéo, l'arbre Bojo. Donc allez, salut.